Donc, on va pouvoir démarrer l'ordre du jour. Le PV de la dernière séance. D'abord, le secrétaire de séance, parce que je voyais un inconvénient à ce que Francis occupe ses fonctions pour la séance. Personne ne voit l'inconvénient. Dans le PV de la dernière séance, est-ce qu'il appelle des commentaires de votre part? Non. Personne ne voit donc l'inconvénient, on va donc en l'état. Donc le premier point de l'ordre du jour concerne les modifications statutaires telles que nous les avons vues préparées finalement, finalisées en bureau. Est-ce qu'il est besoin que je revienne sur l'ensemble des points? Ça couvre aussi bien les compétences obligatoires, comme mémoire qui concernent l'aménagement de l'espace, avec les différents dispositifs qui sont prévus, la réécriture des statuts qui en découlent, l'aménagement économique. Et en matière de compétences optionnelles, la politique du logement et du cadre de vie avec les OPH et PLH généralisés à tout le territoire. Ainsi que la construction d'équipements sportifs et culturels d'intérêt communautaire, à savoir les ludothèques, fonds multimédia, centre de la céramique et maison de la musique et des arts. Voilà pour les compétences obligatoires et optionnelles. Est-ce qu'il y a des commentaires, des interrogations qui n'auraient pas été levées lors des réunions préparatoires sur ces différents dispositifs? Oui. Précédemment, on avait sur Table Gascogne les écoles de danse qui étaient bénéficiées du même régime que le sport, au titre des activités physiques. Je voulais m'assurer que c'était toujours le cas d'un nouveau règlement. Alors, excusez-moi, j'ai été sollicité par une association le week-end dernier à l'Assemblée Générale. Je n'avais pas soulevé plus tôt cette question, ni en commission, ni au bureau, il y a 15 jours. Alors ça vient dans les compétences facultatives sur lesquelles j'allais venir. Donc il y a effectivement le sport, le règlement d'intervention. Excusez-moi. Donc non, puisque le règlement d'intervention prévoit que sont seuls aidés les clubs affiliés à jeunesse et sport. On ne pense pas que les clubs de danse en fassent partie. Par contre, ce qui avait été vu à la commission sport, je pense que les membres de la commission sport ne me contrediront pas, c'est que l'on avait envisagé le dispositif suivant, de ne pas étendre l'aide qui avait finalement préexisté sur le cadre de Gascogne, et de la restituer aux communes avec une révision des AC en 2018, comme on l'a fait pour les dispositifs de financement culturel qui existait un peu des services de tourisme, de manière à ne pas créer un règlement d'intervention trop alambiqué. Donc voilà, Jean-Pierre, si je retraduis fidèlement ce qui avait été vu dans les deux ou trois réunions de commission de sport. Voilà. Donc, dans les compétences facultatives, et effectivement, sur le volet sport, je n'y reviens pas, on vient de l'aborder, et en volet santé, donc création, entretien, gestion de maison de santé pluridisciplinaire, et la version générale, la formulation autogénérique, action visant à favoriser l'installation et le maintien des professionnels de santé, qui peut permettre, si le besoin s'en fait sentir, d'accompagner les dix professionnels de santé dans leur installation ou leur mise en réseau. Sur l'ensemble du territoire, puisque c'est vrai couvert avec 3, 4 MSP. En comptant celle 2 au MOFO. Et les autres compétences facultatives, adhésion et participation à toutes les procédures du PETR en Chalosse-Cursan, intervention sur le mobilier ou l'immobilier visant à maintenir la présence des services publics ainsi que le soutien financier aux actions éducatives de l'enseignement du second degré. Et de soutien à la course à la place par l'organisation du trophée. Oui.
ça, ça fait partie du même dispositif, c'est-à-dire que des aides qui étaient sur le, qui existaient sur le seul club d'Espagne, comme on ne les généralise pas à l'ensemble du territoire, on les restitue aux communes. Et après, là, c'était sport. Et lui, généralisé, organisé, en vertu du règlement qui vous a été transmis. D'autres questions, besoin de précision sur ces différents dispositifs? Non? Alors, ça a été vu en commission, vu en bureau. On en est à la troisième ou quatrième lecture pour certains articles, donc s'il y a encore des interrogations. Donc je vous rappelle pour mémoire que la définition d'intérêt communautaire pour les compétences obligatoires et optionnelles est validée par les deux tiers de l'Assemblée, ça s'est déjà rappelé en 2016, alors que les définitions pour les facultatives, les communes seront soumises à validation. Vous connaissez le processus maintenant, ce n'est pas la première ni la dernière fois que l'on l'applique. Est-ce qu'il y a d'autres besoins de précision ou d'autres questions sur ce premier point de l'ordre du jour? Non? S'il n'y en a aucune autre, je le mets aux voix. Donc est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous en remercie. Et donc nous modifierons le statut dans ce sens. Le deuxième point, oui, le troisième, le point numéro 3, concerne donc la demande dérogatoire d'ouverture de 12 dimanches pour deux commerces sur la commune de Saint-Sever. Alors, est-ce que Alix l'explicite? Juste pour rappel, c'est que un arrêté du maire peut autoriser une ouverture sur 5 dimanches, c'est la règle générale. Donc là, on a été sollicité par la commune de Saint-Sevé pour ouvrir sur 12 dimanches pour deux commerces. Voilà, donc il faut un avis conforme de la Comcom pour que le maire puisse prendre un arrêté par la suite pour autoriser l'ouverture sur 12 journées pour ces deux commerces. Ça a été validé la dernière fois en bureau élargi. Voilà. C'est bon. Si Arnaud, tu veux rajouter deux. Merci. Donc, sur cet avis préalable à l'arrêté, s'il y a des questions, des besoins de précision? Non. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Le point numéro 4, donc concernant la modification de statut du syndicat mixte Garlière-Pyrénées. Il n'y a pas de modification de fond, hein, si vous avez vu les trois points hein, qui font l'ordre du jour. Donc, suite au différentes fusions à la modification des statuts donc, du syndicat mixte Garlin-Pyrénées. Donc la composition a bien évidemment évolué. Donc font partie de ces syndicats mixtes 4 communautés de communes. Alors la communauté de communes des Deuils du Béarn, qui est issue de la fusion de l'Arzac, Garlin et Sarcastets. La communauté de communes de Chalus-Curseur et Jouza, je ne rappelle pas de quoi elle est issue. La communauté de communes d'Erin-sur-Adour, qui n'a pas bougé. La communauté de communes Nord-Est-Béarn, qui est issu de la fusion de Morlas, Nembeil et Ousse-Gavas. Donc voilà, il faut qu'on statue, de Laval, c'est statue par délibération. Alors pour rappel, le comité syndical est composé de 18 membres, nous sommes représentés par Jean-Pierre Lafleurère, M. Beaumont, M. Lafitte et moi-même. Alors pour rappel, on participe à hauteur de 23,75%. Qui fait une contribution annuelle de 20 000 euros. Et Jean-Pierre Lafleurère en est le vice-président. Voilà. Je rappelle que c'est issu, enfin, que c'était le comité commune de Jaune qui avait adhéré à ce syndicat mixte au départ. Si vous avez des questions sur le sujet. Ah ouais. Merci. Donc concernant cette
modification statutaire, pas d'abstention, pas d'opposition. Je vous remercie. Donc le point suivant, c'est la présentation de la convention qui vous est soumise, convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec l'ADACN. Jean-Jacques, est-ce que tu veux la représenter en quelques mots? Bien. Donc, vous savez qu'on a un appui avec l'ADACN en la personne de Lionel Lafargue, qui nous aide sur tous les. Sur le PLUI, il viendra, mais qui nous aide également aujourd'hui sur les PMU de Saint-Sauvé, de Banco, de Honco. Et donc, il y a pour le PLUI, chose pour ça, il y a une convention qui vous est proposée d'adopter pour tout le suivi par cette personne-là, donc pour un montant de 87 300 euros qui représente dans les. Qui représente dans 160 jours de travail. Donc, ce sont des choses qui pourront évoluer et c'est quelque chose qui est démarré, je dirais, dans le travail, pas forcément pour le PLUI, mais parce que pour le PLUI, on va démarrer très vite par rapport à l'appel au marché pour les nouvelles études. Mais aujourd'hui, c'est démarré dans l'aide par rapport aux PLU qui sont en révision aujourd'hui. Voilà, quand ça aura été mis au point, je donnerai un travail qui va être fait pour me demander une réunion de voir. En fait, la formule qui vous est proposée, quand on passe à d'autres, il y a deux solutions dans le cas d'un PLUI, soit s'octroie une assistance à maîtrise d'ouvrage externe, soit il y a un chargé de mission sur la durée de réalisation. La plupart des PLUI, et on était encore la semaine dernière un rapport de club PLUI de la DCF, de l'association des communautés de France. Donc voilà, il y a un agent qui a une connaissance du territoire, qui a déjà travaillé sur le territoire, ça nous a semblé être la meilleure formule pour se faire accompagner sur la durée. Alors la convention porte sur les 4 ans prévus de durée du PLUI, en sachant que c'est un volume de travail et non pas une durée stricto sensu. Donc si le volume n'est pas réalisé dans la fourchette des 4 ans, il peut éventuellement se diluer dans le temps, donc sur le rythme auquel on avance. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Non, ça me semble assez clair pour que l'on puisse se prononcer. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Et je précise que le pouvoir de Olivier Martinez ne sera pas utilisé en la matière puisqu'il ne participe pas au vote étant président de l'ADACE. Sur le point suivant, action sociale enfance jeunesse, j'espère que ce n'est pas pour ça que Gilles n'est pas encore arrivé. Non, c'est juste pour formaliser la transaction entre la commune de Jaune et la communauté de communes. Donc, un bref rappel pour mémoire, il y a le projet de centre de loisirs sur Jaune qui a pris forme. On avait acté le programme de juin, c'est ça, le 12 juillet, quand il prend forme, et pour que le bâtiment puisse être installé sur un appartement à la Concom, qui a besoin de faire ce transfert, c'est une délibération pour autoriser ce transfert. Et en accord avec la commune de Jaune. Des questions sur ce. Oui, c'est la moitié du terrain de foot de Jaune, pour ceux qui ont les lieux en mémoire. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous en remercie.
Point suivant, Gemapi. Donc, un petit rappel. Donc, nous avons pris, alors elle sera effective quand l'arrêté préfectoral sera effectif, donc nous avons pris normalement à côté du 1er janvier la compétence Gemapi. Donc, nous sommes, pour mémoire, et c'est un rappel qui ne fait pas l'objet d'un vote, mais peut-être s'il y a un problème, c'est le moment de le dire. Pour la partie Gemapi, donc la communauté des communes va adhérer aux trois syndicats d'Avivière qui vont continuer les missions telles qu'ils les poursuivaient, telles qu'ils les exécutaient maintenant, jusqu'à maintenant, pour le compte des communes. Trois syndicats d'Avivière, l'œil, Simac, Siapa. Donc ça, c'est mécaniquement, ça ne préfigure pas, et c'est là qu'il y a un travail que la commission a vocation à surveiller, ça ne préfigure pas du financement. Vous avez ce matin un groupe de travail, Gemapi, qui évoquait entre autres ce dispositif-là. Les communes contribuent jusqu'à maintenant, en montant qui était sur un territoire, je ne l'ai pas par syndicat, enfin, et Sandrine non plus, on ne l'a pas en tête par syndicat. Ces montants-là étaient collectés auprès des communes, sera collecté auprès de la COMCOM. Il nous reste à définir, mais entre nous, comment est-ce que c'est financé. Fait l'inventaire des solutions, transfert de charges commune COMCOM, instauration de la GEMAPI, prise sur le budget général, il y a diverses options. La commission aura vocation développement durable, c'est comme ça qu'on l'a appelé, qui se charge de cette question, aura vocation à élucider ses propositions pour le financement 2018. D'accord ? Ça c'est pour la partie GEMAPI. Pour la partie PI, en fonction de la prévision, de la présentation qui vous en avait été faite à Kona, ce qui vous est proposé, les délibérations qui suivent, mettent en œuvre la démarche suivante. C'est de déléguer cette compétence par convention et pour 2 ans à l'institution Adour. Et de confier à l'institution Adour une étude qui permet l'analyse de l'ensemble des ouvrages recensés par les services de l'État. Services de l'État, préalablement au transfert de GEMAPI, sur une cartographie, ont identifié un certain nombre d'ouvrages de digues, d'ouvrages de protection sur le territoire. Et il nous appartient, par le biais de cette étude-là et avec le délégant à l'institution ADO, de définir sur lesquels nous voulons agir et avec quels moyens nous entendons le faire. Donc, c'est bien ça que traduit les deux délibérations suivantes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde si je le résume comme ça? Est-ce qu'il y a des questions, des choses qui ne semblent pas encore couler de source? Non? Donc, le point numéro 7, c'est l'approbation de la convention de délégation à l'institution à nous de cette fameuse partie pays. Pour les 2 ans qui viennent. Nous sommes bien d'accord. Est-ce qu'il y a des abstentions à cette proposition? Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc, nous ferons comme ça. Et donc, pour comprendre ce que je vous disais, il vous est proposé de confier maintenant à l'institution ADOU cette étude préalable qui porte sur les ouvrages d'endiguement pour l'essentiel, et qu'ils ont été recensés par les services de l'État. Et que vous aviez, je crois, à l'annexe de la présente, c'est ça, il était à l'annexe de la convocation. Donc, est-ce que quelqu'un s'abstient sur ce point numéro 8? Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc, nous pourrons confier cette mission à l'institution à nous. Pour information, et au niveau du CIRPAL, sans présumer de ce qui se fera sur les 2 autres syndicats, il y aura dans le courant de l'année 2018 une refonte de la représentativité. Aujourd'hui, chaque commune qui adhérait à l'un des syndicats de la rivière avait un représentant par commune. Le CIRPAL, en l'occurrence, a vocation à s'élargir notamment sur les PA, ce qui va faire 115 communes, c'est ça, je crois, de mémoire. Bon, on va faire un nombre important, sauf que
les syndicats de rivières n'auront désormais plus comme adhérents que des communautés de communes. Donc en fait, ce qui se profile, on y délibérera en temps et en heure, je vous le dis dès à présent simplement parce que ça semble assez clair, c'est qu'il y aura une représentativité, ils vont limiter à une cinquantaine, notamment pour le CIRPA, le nombre de délégués, et que la représentativité des intercos dans ces 50 délégués sera proratisée en fonction de la contribution économique, la contribution financière. Il y a un système de contribution financière basé sur les bassins versants, les longueurs de rive, le potentiel fiscal financier, qui fait que, alors pour le CIRPAL, je vous le dis tout de suite, chez le CIRPAL, c'est 50%. Donc en gros, 48 ou 49%, 50, je crois. Donc on aura le calcul du conseil syndical du CIRPAL sera composé des délégués de Chalosse-sur-Sarthe. Juste pour votre information, et quand vous l'aurez en tête et quand on y viendra, rien n'empêche des conseillers municipaux, qui ne sont pas délégués communautaires, de siéger. Donc quand on aura préparé cette liste des 22, 23, 24, ou je ne sais pas combien, délégués au CIRPAL, et a priori ce sera le même dispositif sur les Leuils et sur le CIMAL, voilà, il vous appartiendra, notamment pour les communes concernées, il serait bien que les 25 délégués soient plutôt issus des communes qui sont découvertes par ce syndicat-là. Et sachez que, quand vous pourrez constituer, si vous avez des conseillers municipaux ou des adjoints qui sont partie de bonne âme et qui sont intéressés plus vivement à la démarche que certains d'entre nous, je dis bien nous, pour avoir écouté, ça ce sera courant 2018. Ok, est-ce que c'est clair? Tout le monde? Oui. Ah mais ils n'ont pas obligation d'être sur la même longueur d'onde. Je veux dire, chaque syndicat choisira, Jean-Jacques précise qu'effectivement, chacun des trois syndicats auxquels on va adhérer peut choisir un mode de représentation différent. Là, je vous parle du CIRPAL, d'accord, qui sera le plus impactant sur notre territoire, mais pour le CIMAL, je crois qu'ils auront quelque chose de peut-être pas tout à fait identique, c'est-à-dire, mais de toute façon, le dispositif qui fait que les conseillers municipaux peuvent l'être, ça est généralisé à l'ensemble des syndicats. Oui, Jean-Jacques. J'ai lancé Footparian, c'est une liste qui nous a été envoyée en l'état par la DDPN, les ouvrages à recenser. Je n'ai aucun début de bout de réponse à comment est-ce que la sélection a été faite entre les ouvrages qui sont répertoriés là et les ouvrages qui ne le sont pas. Alors si j'ai bien compris le dispositif, puis le fait qu'il n'y soit pas, ne... Et si on estime, nous, qu'il y a un intérêt, n'empêche pas qu'il puisse être regardé. Je veux dire, ça n'est pas une position ferme et définitive qui dit qu'on ne s'en occupera jamais. C'est attendons le bien. Là, l'État a listé un nombre d'ouvrages sur lesquels il nous demande de réfléchir, impérativement. C'est-à-dire que pour cela, pour chacun des ouvrages qui ont été identifiés, on est tenu, en termes de ces études, de répondre, on fait ou on ne fait pas. Ce qui, je le répète, ne veut pas dire que les ouvrages ou qui seraient créés dans le temps, qui n'existent pas aujourd'hui, ou qui sont existants mais non répertoriés, si à un moment ou à un autre on se rend compte que pour mener une politique homogène, que si on met des protections sur un secteur, il y a les mêmes enjeux sur un secteur même, s'il n'était pas identifié, on ne peut pas le rajouter. Après, à un moment donné, ce sera simplement une question de choix, puis éventuellement de financement. Non. Non. Le répertoire est issu des services de l'État, donc eux, au départ, ils ont nommé par Interco, puisque la compétence échoue à l'Interco, par Interco, un recensement. Ils ne tiennent pas compte du fait qu'à la limite, on aurait décidé de garder la compétence GEMAPI et de l'exercer en direct au sein de l'Interco, ce qui est réglementairement impossible, on aurait quand même eu la même liste. Ça ne tient pas compte du mécanisme que l'on met en place.
qui résulte juste d'un choix et d'une proposition de cette différence. Oui. Donc, concernant ce point, non, on avait voté la proposition d'étude. Ça, c'était fait. C'était un complément d'information. Point numéro 9, concernant le développement touristique, conformément à ce que l'on avait vu en bureau, il vous est proposé l'adhésion au CIMAL hors compétence GEMAPI pour la création et l'entretien du secteur sentier de randonnée Longjean-Ladeau, qui a vocation à aller de R à Rex, et qui est déjà commencé sur la partie ouest, la partie de Rex, et de Bête, Andrès, c'est en place, je crois. Et là, ils sont en train de faire Andrès, Mugron. Donc, on sera concerné dans les années. Ou c'était jusqu'à Mugron. Voilà, j'avais pas en tête tout à fait le calendrier. Donc, il vous est proposé que la communauté de communes adhère au titre de sa compétence au tourisme, puisque c'est peut-être un élément touristique, au CIMAL, et pour cette réalisation-là, et une compétence hors GEMAPI. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Une petite information touristique, mais c'était pour venir. Mesdames et messieurs les maires, que vos secrétaires de mairie vont recevoir une convocation pour faire une information sur la tête de séjour, un petit peu touristique. Le 25 janvier à 10h, ça serait à Orsario, si à Denis, vous avez la salle. Et à Jaune, ça serait le 26 janvier à 14h à la cave du Tour Saint. Voilà. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez les libérer pour pouvoir venir faire voilà, une petite. Leur information, ça serait très sympathique à vous, elle va recevoir les convocations incessamment sous peu. Voilà, j'ai terminé pour tout. Merci. Donc, concernant le point 9 et l'adhésion au CIMAL pour cet objet de réalisation de ce sentier, est-ce qu'il y a des questions, des mesures de précision? Non. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous en remercie. Donc on revient, puisqu'on a adopté la première partie concernant la modification statutaire, je ne reviens pas sur le détail, sur le règlement d'attribution des subventions en matière de sport, qui sera valide donc pour l'année 2018. Est-ce qu'il y a besoin de précision? Oui, Patrice. Thank you.
une partie de préexister sur Agenon, dans l'ensemble, sur Agenon, il avait été uniquement au niveau, en fonction du niveau sportif. Sur Jaune, il avait été uniquement sur le sport, sur les enfants, sur les écoles. Et sur le CNCB, c'était le parti pris. C'est de l'orienter uniquement sur les jeunes et avec une réorganisation et en gros un budget quasi constant, sans présumer des évolutions en chiffres. D'accord. Mais donc si c'est orienté sur les jeunes, je ne comprends pas pourquoi il y a une baisse à ce niveau-là de l'accompagnement. Je pensais que la communauté voulait tirer vers le haut ou tout du moins être à l'identique. Et puis là, je me trouve, disons, bon, effectivement, vous avez tous compris que j'ai une association qui est. Qui perd énormément ce soir, ou qui va perdre énormément ce soir. Donc je me dois également d'essayer de la défendre et d'essayer de la faire entendre. Effectivement, donc il y a une baisse des dotations au niveau des enfants. Alors, c'est symbolique, j'entends bien, hein, puisqu'on est sur des 200 ou 300 euros. Mais je trouve que la symbolique, au niveau de l'accompagnement des jeunes, je crois que c'est à peu près ça. On est sur du symbole, mais je crois que le symbole mérite ce soir effectivement que tout soit mis sur la table. Et ensuite également concernant l'accompagnement qu'il y avait au niveau du niveau, concernant le niveau auquel jouaient, étaient situées ils ont les équipes, je ne comprends pas pourquoi tout ceci a disparu totalement. Alors je pourrais entendre qu'effectivement il y a eu un accompagnement, parce que ce sont des budgets quand même qui sont importants, et que ce sont des associations qui comptent dessus. Donc donner une information en disant mais écoutez, l'année prochaine on arrête tout parce qu'on a décidé de réorienter ou quoi que ce soit, mais c'est que pour le sportif ou également ça va se dupliquer sur les autres d'autres manifestations aussi, ce genre d'économie ou ce genre de coupe sombre, est-ce que ça va se passer par ailleurs ou c'est uniquement que c'est au niveau sportif également? Je vais pas te prédéfinir aujourd'hui sur le volet sport. Et travailler, donc dans ce sens-là. Ouais. Après, moi, je ne vais pas te nommer aujourd'hui les conclusions des différentes commissions de travail qui existent sur les différents aspects. Après, en matière d'aide directe, il n'y en a pas beaucoup d'autres, je dirais, d'autres aides directes des collectivités, des interco, si c'est des dispositifs similaires, si c'est des dispositifs similaires que tu penses. C'est-à-dire ? Comment ? Donc il y a d'autres intercos qui n'accompagnent pas ? Non. C'est quoi ? Je dis simplement que les intercos en matière d'aide directe, de subvention à des clubs, des associations, il n'y a pas dans le fonctionnement antérieur d'autres dispositifs similaires. Si c'est ça la question, de savoir si on va faire des coupes sombres, fût-elle de quelques centaines d'euros. Donc il n'y aura pas, la question va pas se reposer de la même manière, puisqu'on n'a pas d'autre type d'aide. D'accord. Sur notre interco. Sur notre interco. D'accord. Okay. Moi je voudrais faire une intervention que j'ai fait aussi en bureau. Ça pose la question du déploiement de politiques qui autrefois étaient principalement menées que sur une partie du territoire. Si on raisonne à budget constant et qu'on déploie une politique qui était faite que sur des trois territoires à l'ensemble, il y a forcément des gagnants et des perdants. Et forcé de reconnaître que sur ce sujet-là, Monceau et Montgaillard-Sarrazette sont fortement perdants. Mm-hmm. Puisque pour des petits villages, vous allez perdre 5 ou 6 000 euros dans l'accompagnement du club qui fait la notoriété et l'animation du village. Alors après, moi je peux comprendre que ça soit un choix, mais je peux comprendre aussi que ça soit très pénalisant pour les villages concernés. Je crois qu'il faut... Alors effectivement, ici on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, enfin assez facilement. Mais pour une association, des budgets à 5 ou 6 000 euros, c'est quand même, ça représente des sommes importantes sur leur budget. C'est ce que je vais essayer de faire comprendre. Même si ce sont des budgets conséquents, puisque ce sont effectivement des petites PME. Et bon, je crois que c'est un mauvais affaire. Pour moi, c'est un mauvais message qui est envoyé à ce niveau-là. Je prends ça comme une sanction au niveau du sport. Voilà. Ah mais tu le prends. Je prends comme je veux, ça veut dire. Exactement. Je dirais que pas finir une démocratie, chacun est libre effectivement de s'exprimer. Après, la question, puisque ça peut
besoin de rentrer dans le détail, c'est est-ce que ces modifications en termes de montant sont de nature à mettre en danger ces associations? Comme tu sembles, c'est ça que je dois y comprendre. C'est, je ne sais pas si... Je dirais que c'est la sanction qui tombe, c'est le couperet. Non, c'est toi qui parles de sanction. Non. Ben oui, c'est une sanction quand même. On te dit, bon, c'est pas prévu, mais on te dit du jour au lendemain, mais écoute, l'année prochaine, tu l'oublies. Tu l'oublies. Un jour, on a dit, alors que c'était pas prévu, on le met en place. Donc oui, il y a des choses qui changent. Je veux dire, on n'est pas forcément dans l'immeuble, mais il y a d'autres clubs qui sont concernés par des réorientations. A l'inverse, je dirais qu'on a dit à tout un tas de petits clubs qui avaient des fois zéro aide. Ben tiens, vous avez 15 gamins ouverts, et ben, vous n'allez pas avoir des 100 et des 1000. Hein. Mais bon, c'est un choix que j'assume pleinement, mais de là à le faire passer pour une sanction, alors là je réfute tout à fait la démarche. Oui, tu peux le refuter, mais pourtant c'est, c'est un constat. Non. C'est un constat. Toi, tu l'interprètes comme une sanction parce que tu as envie de l'instrumentaliser comme une sanction. L'inverse est vrai aussi. Non. Bah si. Après, se renvoyer la balle. Bon, après, maintenant, tu fais bon. C'est une démarche collégiale et déconstruite. Il y a quand même, je trouve quand même fort curieux, il y a eu, je crois, trois commissions en sport qui avaient comme objet, notamment la préparation de ce dispositif-là. Bon, je suis toujours très surpris que ça arrive au moment du vote, ces interrogations-là. S'il y avait des inflexions à apporter à un règlement, les commissions sont quand même un peu faites pour ça. Marcel, moi j'ai fait un mail à tous les membres de la commission précisant que je trouvais regrettable l'abandon du soutien au club de haut niveau pour l'ensemble du territoire. Oui. Donc je n'ai pas soulevé ce sujet-là que ce soit. Oui. Et on l'a aussi évoqué en bureau des maires. J'ai le souvenir que Jean-Jacques l'a porté. C'est vrai. Oui. Je suis quand même un petit peu concerné par ce qui s'est dit ce soir, puisque je suis responsable de cette commission, et je comprends qu'il y ait des gens qui soient surpris, puisque, enfin surpris, qui ne soient pas satisfaits, dans la mesure où le règlement qu'ils connaissaient n'est plus pratiqué de la même façon. Il y a eu quand même... Au sein de ces trois réunions dans cette commission, tous les membres n'étaient pas représentés, et c'est dommage hein, qu'ils ne soient pas venus à ce moment-là. Il y a eu quand même un consensus très net pour aller soutenir l'éducation sportive. Alors, on est parti à budget constant, c'est vrai, donc déjà, on handicapait quelque part ceux qui avaient bénéficié de largesse précédemment, mais qui a permis à ceux qui n'en avaient pas eu de harmoniser et de rattraper un certain niveau. Donc aujourd'hui, avec les 72 000 qui étaient disponibles, on est arrivé à une aide forfaitaire par club de 500 euros, vous avez le règlement, 30 euros par jeune depuis Poussin jusqu'à Cadet. Je pense qu'on est tout à fait dans la volonté qu'a exprimée la commission d'aider à l'éducation sportive pour faciliter l'accès au sport des jeunes, aider à la socialisation des jeunes, parce que c'est quand même un rôle important, aider à la professionnalisation des encadrants dans les clubs, et soutenir la pratique sportive sur le plus grand nombre de clubs du territoire. C'est-à-dire, c'est vrai, on n'a pas choisi d'aider l'élite, d'aider le national, mais on a choisi d'aider le plus grand nombre. Alors, c'est critiquable, je suis entièrement d'accord, mais je pense que c'est quand même dans la fonction d'universalité de la communauté de communes quelque chose qui peut s'expliquer. Alors si on nous dit demain que le budget est bien sûr supérieur, à ce moment-là, on peut se revenir vers le règlement départemental qui a une aide aux clubs sportifs de haut niveau et pourquoi pas revoir le règlement. Mais on a fait avec ce qu'on avait et on a essayé de faire au mieux. Il n'y a pas d'autre raison, et surtout de ne pas chercher à pénaliser qui que ce soit. Moi, je me suis fait un débat de trois réunions. J'ai oublié deux fois. Ah, oui. Je n'ai assisté qu'à la dernière. Non, ça a été convoqué aussi. Non. J'ai oublié, parce que c'était moi. Donc,
On l'a même rappelé. Si, tu as fait. Tu veux qu'on ressorte les adresses mail, les listings, le truc? Alors moi je veux bien en faire des réunions et en refaire. Mais le procès d'intention qui consiste à me dire que je n'ai pas été convoqué. Oui, d'accord. D'accord. D'autres commentaires? S'il n'y en a pas d'autres, je mets au voir ce point de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Pardon? Est-ce qu'il y a des oppositions pour ce... 1, 2, 3, très bien. Point numéro 11. Je te laisse le présenter, non? Concerne les OPH, je discute. Je serai très court, hein, on y a droit à chaque réunion du conseil communautaire. C'est un administré qui est sur la commune de Coudure, qui va bénéficier, un propriétaire occupant, qui va bénéficier d'aide à la rénovation de son logement qui vise à mieux l'isoler, à mieux le chauffer. Et il faut bien savoir qu'à chaque fois qu'un dispositif est aidé, c'est l'engagement d'un gain énergétique de plus de 25%. Alors on m'a dit qu'il y a un deuxième sujet qui concerne DUM. Je crois le premier dossier pour DUM, qui là est par rapport à des travaux d'adaptation du logement au vieillissement de ses propriétaires. Puisque je vous rappelle que toute adaptation au vieillissement de la population fait aussi l'objet d'aide. Et ce sont ces dispositifs qui sont aussi à l'étude aujourd'hui pour le Cursan. On a une réunion lundi et nous espérons que nous puissions conventionner dès le début de l'année avec l'ANA, de façon à ce que le dispositif sur le Cursan qui reprendra les grandes modalités de celles du Cap de Gascogne puisse rentrer en vigueur avec un choix qui a été soulevé et qui nous semble à la commission importante, commission Habitat, c'est que l'aide au traitement de la vacance, ces logements qui sont vides aujourd'hui, soit proposée pour l'ensemble des bourgs de tous les villages de l'ex-Cursan. Merci. Donc c'est bien deux dossiers qui vous sont soumis pour chaque fois une aide forfaitaire de 500 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. Donc le point numéro 12, vous le connaissez, je pense que vous l'avez tous mis en place dans nos communes respectives, c'est l'adaptation du régime indemnitaire. Il nous est donc proposé de mettre en place le RIFSEP qui permet de transformer l'ensemble des régimes indemnitaires qui préexistaient et en adoptant que la mise en place du seul IFCE qui couvre plus que largement en volume potentiel les indemnités qui existent aujourd'hui par promotion. Bon, voilà. Vous connaissez le dispositif, je pense qu'on l'a tous mis en place, on est en train de le faire. Est-ce qu'il y a des questions sur ces points-là? Non? Donc est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous remercie. Le point numéro 13, la création d'un emploi permanent d'ingénieur territorial. Comme j'avais pu l'évoquer en bureau, je ne sais plus si c'était un bureau ou un bureau élargi. Donc, un de nos agents, M. Ra. Arisoa, et je vous le rappelle, salarié de la communauté des communes du pays grenadois, était mis à disposition à mi-temps de la communauté des communes du Cursan, et donc depuis le 1er janvier dernier, est à mi-temps à disposition de Chalosse-Cursan. La communauté de communes du pays grenadois souhaite pouvoir disposer d'un agent à temps plein sur ce poste-là, et donc envisager son recrutement, et donc de notre part, pour 2018, nous n'aurons plus l'appui technique de M. Simon, qui était assistant sur Agémon. Et donc je pense qu'il est
tout à fait nécessaire de se conforter ce deuxième emploi d'ingénieur sur la communauté de communes. Donc partant de cette situation, nous avons fait, je fais une proposition à cet agent de, s'il était disposé à rejoindre, pour rester sur notre collectivité à temps plein, tout comme le Canada a fait une proposition, il a choisi de rester avec nous. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous propose d'ouvrir ce poste. Quant à la date à laquelle il sera pourvu, nous avons échangé avec Pierre Dufour, homologue de Grenade, étant donné qu'ils ont un recrutement à mener et donc qui ira, ils l'ont lancé déjà, mais qui ira au rythme, c'est-à-dire ils ne savaient pas quand c'est qu'ils auront quelqu'un, et pour que ça se passe en bonne intelligence. Donc, nous allons re-signer, alors ça ne fait pas l'objet d'une délibération, puisque vous m'en avez donné une délégation, et je vous en rendrai compte en temps et en heure, mais je vous en informe déjà présent. Nous allons re-signer une convention de mise à disposition pour une durée de 6 mois, et dès que Grenade aura quelqu'un, on y mettra fin. Mais en attendant, on va continuer à mi-temps, chacun de notre côté, et on va y arriver comme ça, et comme ça, ça leur laisse le temps de recruter et de prévoir une période de tuilage entre Mathieu et la personne qui le remplacera sur le pays de Grenade. Voilà l'ensemble des dispositifs, ce n'est pas l'objet de délibération dans son intégralité. Seule la création du poste en fait partie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? S'il n'y en a pas, je le mets au voie. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous en remercie. Le point numéro 14, c'est une correction d'une délibération qui avait été prise, je dirais, un peu prématurément, puisqu'il n'y a pas de concordance sur les dates. Quand vous avez lu l'annonce de cette thèse, je ne reviens pas. C'est un agent que nous partageons avec Miramont, c'est ça, Pascal? Oui. Et qui fait l'entretien sur les locaux, notamment de John et Samadé. Donc, voilà, c'est une évolution de carrière, simplement. Nous n'étions pas bien accordés sur les dates d'entrée en vigueur, donc nous recommençons. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Non. Donc est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous en remercie. Point numéro 15. Donc il est nécessaire que la nouvelle collectivité que nous constituons maintenant réadhère au pôle retraite du centre de gestion des Landes, comme chacune des trois y a adhéré précédemment. Il n'y a pas d'explication particulière, vous connaissez le dispositif. Il y a des questions? Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Le point numéro 16. Concerne le remplacement d'un délégué titulaire au pays Adouk-Chalos-Tursan. Suite à la démission de Monique Lubert, le pays de Chauchan nous a demandé de pourvoir à son remplacement. Donc, eh bien, est-ce qu'il y a spontanément quelqu'un qui souhaite la remplacer? Qui était son suppléant? Ce suppléant. Philippe Dutoya était suppléant de Monique Liberne. Donc est-ce que tu... C'est pareil, si tu deviens titulaire, il nous faut un suppléant aussi. Ça règle pas le problème de fond, à moins que quelqu'un veuille participer plus activement. Enfin, c'est comme tu veux, si Philippe est prêt à... Donc maintenant, il nous faut un suppléant, et comme Philippe est toujours là, le suppléant n'aura pas beaucoup de travail, si c'est... Et ça peut être un soulagement. Non? Et ce serait bien que ce soit plutôt quelqu'un de issu de HCU, quoi. Parce qu'on avait fait une répartition, je dirais, géographique équilibrée, on ne tente pas la changer, c'est pas... Oui, sauf que Michel est déjà suppléant. Il est suppléant de Jean-Claude Gattu. Alors ça ne règle pas notre problème non plus. Denis? Denis, tu es partant. Ok, pas de retrait? Non. Si on se résume, il peut proposer avec une délibération en bonne et due forme avec élection, ultère et tout le territoire,
de choisir donc, Philippe Dutoya comme délégué titulaire payé à la charge Cursan en lieu et place de Monique Hubert et Denis Dumartin. Oui. J'étais à l'époque de la suppléante de Dominique. Est-ce que je suis toujours? Je ne sais pas. Ah. Est-ce que tu es suppléant? C'est pour le Scott. Non. Tu es le suppléant de Dominique pour la commission Scott. Là, il s'agit de siéger au conseil syndical du PETR. Donc, je te confirme, tu n'es pas... Donc, je résume, Denis Dumartin, en suppléant de Philippe Dutoya pour le conseil d'administration du PETR. Car pour tout le monde, là, est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie pour vous. Le point numéro 18. 17. Pardon. L'indemnité de conseil au comptable public. Donc pareil, même cause de effet, suite de fusion, redélibération, avec les montants qui nous sont indiqués. Pas de questions particulières. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous remercie. Point numéro 18 maintenant. Donc, nous avions pris la compétence donc, de recharges électriques pour la généraliser à l'ensemble du territoire, mais nous n'avions pas, adhéré formellement au SIDEC. Donc, vous proposez de le faire quand même, et de régulariser. Donc ça, c'est la première délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Pas d'abstention, pas d'opposition, donc nous adhérons au SIDEC. Et maintenant que nous avons décidé d'adhérer au SIDEC... Marcel? Oui. Juste pour les bornes électriques, je voudrais que les deux adjoints... Concernant les bornes électriques, les deux bornes électriques d'Agenmo sont mises en service et connectées au réseau, donc elles sont utilisables. La borne de Samadé et celle de Jaune également. Reste celle de Saint-Sevé qui sera mise en service au 15 décembre, avant le 15 décembre. Voilà. Ça sera terminé. On avait fait. Alors, pour Agenmo, il y en a une devant la médiathèque. C'est la borne dite rapide. La borne dite accélérée, donc un peu plus lente, mais pour deux véhicules, et devant le jardin d'enfants, vers la cité verte. Pour Jaune, la borne est vers la piscine. Pour Samadé, devant les commerces, là, devant le multiple, à côté de la maison médicale. Et pour Saint-Sevé, dis-moi. Elle est au parking à côté des Halles, au pied de l'ancien tribunal. Nous avions fait aussi une demande pour voir si Saint-Sevé pouvait bénéficier d'une deuxième borne. Dans la première opération est stoppée au 31 décembre 2017. Le SIDEC ne sait pas dire s'il y aura une deuxième opération ou pas. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. Voilà. Donc, adhésion au SIDEC, c'est bon. Donc, une fois qu'on a adhéré au SIDEC pour cette compétence-là supplémentaire, il faut... Ça n'était pas présenté sur l'ordre de synthèse, c'est un oubli. Il faut élire un délégué de la communauté des communes au titre de la compétence borne de recharge électrique. Donc, je vous propose que ce soit Dominique Cazoliel qui fait déjà le voyage au SIDEC régulièrement, en tant que titulaire. En tout cas, qui soit candidat. Il faudrait un suppléant. Si possible, quelqu'un qui est déjà délégué au SIDEC pour autre chose, pour sa commune, puisqu'en général, ce sont des réunions complètes, donc éventuellement. Non? Jean-Jacques? D'accord. Donc, Jean-Jacques Dutoya en suppléant. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à cette désignation de ces deux délégués communautaires? Pour nous représenter au SIDEC, pas d'abstention, pas d'opposition. Et donc on en arrive à l'action de l'ordre du jour tel qu'il vous a été présenté.
un dernier point. Si vous en êtes d'accord, je vous propose que nous organisions des vœux communautaires. Alors ça se faisait pas, ça avait différentes formules. Bon. Et s'il n'y a pas de position globale, que ce soit le 12 janvier. Le 12 janvier, et ce serait à Agenmont, salle de la Rotonde. 19h30. Est-ce que vous pensez plus que c'est possible qu'on doit le faire? Si on ne doit pas le faire, dites-le, ça ne semble pas une bonne idée. Non? C'est bon? Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de noter cette date-là. Et puisqu'on en est aux dates et au prochain conseil communautaire, donc, si la commune de Coudure peut nous accueillir, on va essayer de faire un conseil communautaire le 21 décembre. Ce sera le dernier de l'année, il nous reste quelques points. Oui, enfin non, on ne sait pas. Cette année. 21 décembre, Coudure. A priori, il ne va pas y avoir de changement, mais assez proche de la date. Et donc, pour les membres du bureau, pour préparer ce conseil communautaire, bureau le 12. Qu'on en est avec les calendriers. J'en ai terminé pour ma part. Jean-Jacques, je voulais préciser. Oui, une réunion. Je te laisse la parole, Jean-Jacques. Juste un point par rapport au PLU. Nous allons faire une réunion des secrétaires pour briefer tout le monde par rapport à tous les papiers qui vont arriver en mairie. Et que, bon, c'est toujours le secrétaire qui, les secrétaires qui sont là, disons, en permanence. Bon, on a pensé qu'il serait quand même bien de les inviter à une réunion pour vraiment les briefer sur tout ça. Bon, aujourd'hui, pratiquement toutes les communes ont renvoyé le certificat d'affichage. Bon, ça veut dire que les gens sont réactifs, et bon, c'est bien, et je vous en remercie. Et bon, la date de cette réunion de secrétaire, nous ne l'avons pas encore eu ici. Pas avant le début de l'année prochaine, c'est sûr. Voilà, on est terminé. Merci Jean-Jacques. Est-ce que quelqu'un a des questions diverses, des points abordés? Alors, au siège de la communauté, sur un bureau, il est 24 ans pour du bureau. 19h le 12. 19h le 12. Personne n'a d'autres questions diverses, de points à aborder? Eh bien, je vais rendre la parole à Francis qui est le remercier encore. Pour son accueil. Oui, comme dit le proverbe, après l'effort, le réconfort. Et je vais vous inviter à vous approcher de la table pour un petit moment convivial. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas, dans notre travail, de bien signer le registre des délibérations avant que l'on se quitte. Thank you.